Chez Catherine, nous avons dormi dans la chambre de ma tante Suzanne, décédée à l'hôpital de Bayeux le 21 mai 2020. Dans sa chambre, rien n'a bougé. Toutes ses affaires sont encore en place, comme si elle venait juste de sortir de la pièce. Dans le journal filmé, la mort est un hors-champ irrémédiable. Mais dans l'image, les vivants et les morts se retrouvent. Il suffit d'ouvrir les yeux. Du nettoyage. Tu vois, maman, j'ai payé, j'ai envoyé la facture, j'ai encore pas gravé. Ah oui, ils t'ont pas. Non, tu vois, c'est pas fait. Alors, l'autre fois, je l'aurais dit quand même. Oui. Ils sont en train de mouiller les trucs. Non, il va falloir que je vienne. Oui. Ils sont posés, ça. Je vais en chercher. Ah, tu fais des roulements. Ouais, et puis il y en a que je laisse carrément à la maison, puis j'en rachète. J'ai des parterres où ben, j'ai pas mal d'hortensias. Mmh. Ben, je les ai remis en pleine terre. T'as des rosiers là? Oui, des rosiers, ça c'est bien ça. Il y a des plantes, oui, ben, comme ça, herbes vives à la maison. Ah oui, c'est pas vif. Oui. Sur Facebook quand tu la vois. C'est vrai que c'est passé vite du coup. Ouais, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon. Alors, par contre, est-ce qu'il y a de la place? L'exposition se déroule sur deux niveaux, il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, une petite pièce intermédiaire. Okay. Et au deuxième étage, vous avez l'espace Artothèque, donc c'est différent. Ni jeter, jarret et pas tomber. Et peut-être pas.
Engagé, que ce soit un homme qui s'intéresse, qui remet en question tout le truc de nettoyage ou enfin.